Allô, bonjour. Comment vous appelez-vous? Brigitte. Brigitte, votre date de naissance, s'il vous plaît. 7-4-64. 64. Ok, vous nous appelez de quelle région? C'est la région parisienne, j'habite. Très bien. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Sur l'amour. Sur l'amour. Dites-moi en plus. Je voudrais savoir si mon copain me revient. D'accord. Alors, son prénom, s'il vous plaît. Manuel. Et il est né? 4 février 73. Allez, on va regarder ça. Ça fait longtemps qu'il est parti? C'est tout récent, la rupture. Ouais, ouais, ouais. On me dit qu'il sait pas. Il sait pas, il sait plus. Il est parti pour... Il est perdu, je pense. Pardon, j'ai pas entendu. Je pense qu'il est perdu. Oui, c'est ça. On me dit qu'il sait pas. Il sait pas, il sait plus. Il y a quelqu'un d'autre qui est rentré à un moment donné, là, pour provoquer cette rupture? Je sais pas. Parce que moi, j'ai la sensation que ça vient... Alors, que ça vient pas que de lui. Après, il est grand, hein. Il a pris ses décisions toute seule, hein. Tout seul, pardon. Mais j'ai la sensation qu'il y a eu plutôt une tierce personne, voilà. Alors, ou des amis, ou une autre femme. Mais en tout cas, il y a une espèce de bourrage de crâne, ou en tout cas une... C'est pas une femme avec qui il aurait une relation. Mais je me demande, c'était pour ça que je vous demandais si t'es partie avec quelqu'un d'autre, parce que moi je me demande si... Il est parti avec personne d'autre et je pense plutôt à sa mère. Moi j'ai effectivement une idée qui... Alors, encore une fois, il a pris sa décision seule, mais j'ai une idée qui vient pas forcément de lui. Si on l'avait... Voilà, si on lui avait foutu la paix, pour parler un peu cru, il vous aurait pas quitté. Voilà, très clairement. Voilà. Moi, je pense que c'est à force de nanana, 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 enfin voilà. Il y a un côté comme ça, radotage, je vais dire. Et, ouais. qui a commencé à lui faire voir les choses différemment que ce qu'il pouvait voir au début de votre histoire. Et qui a fait que, il a pris cette décision. Alors, ce que j'ai un peu plus, c'est que moi j'ai la sensation quand même qu'il a pris cette décision plus dans l'idée je me pose, je fais un break et je réfléchis, plus que dans l'idée j'arrête tout et parce que j'en ai marre et voilà. C'est pas. Moi, parce qu'on a été 7 mois ensemble, on s'est jamais fâché, on n'a jamais levé le ton, on s'est jamais embrouillé. Moi j'ai tendance à dire qu'il va revenir. Pas tout de suite, il a encore besoin de. Je vais être un peu limite, mais il vous lui manquait pas encore assez, je dirais. Voilà, il a encore besoin de souffrir un peu. Voilà, il reviendra quand il y tiendra plus. Pour l'instant, il arrive à, je sais pas, il fait des choses, il voit du monde, je sais pas trop, mais en tout cas, il arrive à gérer le truc. Voilà, il s'occupe, il remplit ses journées, il arrive à gérer le truc. Il y a des moments difficiles, mais il gère. Il y a rien à un moment donné où tout ce qu'il pourra faire et remplir dans sa journée ne suffira plus et il pourra plus gérer. Et à ce moment-là, il reviendra vers vous. À ce moment-là, qui m'appellera alors. C'est lui qui. Ah oui, par contre, c'est lui qui vous rappellera. C'est lui qui viendra vers vous. Ou alors, j'ai la sensation. Vous voyez, là, j'ai un truc comme une espèce de hasard, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'était lui qui provoquera le hasard. Il va faire style, oh, je t'avais pas vu, ou je passe par hasard. Mais en fait, pas du tout. Il aura mis tout un scénario en place pour faire comme si c'était le hasard qui vous avait remis sur votre route. Et alors que, voilà. Mais en tout cas, c'est lui, ça part de lui. C'est lui qui relance la machine. C'est lui qui relance la relation. La relation, voilà. Maintenant, c'est vrai que sur la poursuite de cette relation, tout n'est pas réglé. Voilà, tout n'est pas réglé. J'ai quand même la sensation que vous repartez sur les mêmes bases que quand il est parti, avec les mêmes soucis, que les gens qui parlaient avant vont recommencer à parler aussi. Enfin voilà, il y a tout un contexte qui n'a pas évolué. Il revient, mais il n'a pas d'évolution par rapport à avant. Mais par rapport à moi, on fera un bon bout de chemin ensemble ou pas? Pour l'instant, oui. Moi, il revient pour un certain temps quand même, oui. Mais ça va être difficile. Vous le voyez revenir quand, à peu près? Allez, on va dire maximum une période de 6 mois. 6 mois, oui, mais une période, hein, ça veut pas, je prends pas rendez-vous là, c'est une période, ouais. Entre aujourd'hui et 6 mois. Mais bon, je retourne avec, mais il faut de la patience, quoi. C'est ça, exactement. Bon, bah d'accord. Voilà, Brigitte. Bah, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous êtes. Alors, je suis Myriam de l'ESACA et mon identifiant est le 3527. D'accord, voilà. Bah, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Brigitte. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.